Alors voilà, dans le menu affichage, vous avez la possibilité de faire un aperçu. Ben, je vais d'abord passer en affichage par tracé. Voilà, affichage tracé. Ça veut dire que vous ne voyez plus les couleurs, vous ne voyez que la construction. C'est pratique. Mais il faut retourner à un certain moment, retravailler en couleurs. Et là, vous devriez, si votre carte graphique est compatible, avoir deux possibilités, l'aperçu GPU et l'aperçu CPU. L'aperçu GPU, c'est utiliser les processeurs de la carte graphique pour faire le rendu couleur du document Illustrator. Et CPU, c'est le processeur central de l'ordinateur. Alors, on vient de découvrir que sur votre ordinateur, quand on est en aperçu GPU, c'est-à-dire si je vais là, voilà, aperçu GPU, eh bien, quand vous utilisez le crayon, la carte graphique ne suit pas apparemment. Elle a un petit problème, elle est faiblarde. Et le trait du crayon disparaît à un certain moment. Et on a découvert que, voilà, si on repasse en affichage tracé et qu'on revient cette fois-ci en affichage CPU, en n'utilisant plus les processeurs de la carte graphique, mais en utilisant le processeur central de l'ordinateur pour faire le dessin en couleur, eh bien, le crayon fonctionne mieux, c'est ça. Ben c'est super. Donc ça, c'est pas inhabituel. Le GPU, c'est rapide, mais parfois, ça foire un peu.